La 18e édition des experts de la mise en œuvre du projet de l'autoroute Abidjan-Lagos s'est ouverte le mardi 14 mars à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Au cours de cette rencontre, les experts vont évaluer la mise en œuvre du projet de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos et examiner l'avancement des composantes. C'est tout l'objet de notre présence et celle des experts qui conférera donc à cette réunion une importance très particulière. Je pense que vos précédents travaux ont permis au projet d'enregistrer de bonnes avancées, comme l'a présenté Apia tout à l'heure, donc aussi bien au niveau technique, au niveau administratif et au niveau organisationnel. La qualité donc de vos travaux durant ces 3 jours et la pertinence de vos conclusions et recommandations devront permettre au ministre de prendre les bonnes décisions pour l'avancée donc de notre projet. Longue de 1081 km, l'autoroute Abidjan-Lagos va relier 5 pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria.